Ouais, c'était passionnant. Ouais, je t'assure. Ah, mais c'est quoi ça? C'est une planche remplie de pointes. Dans un quartier où des enfants jouent. Oh, putain, il met les voitures, Mais tu es fou, toi. Bah oui, c'est la vie, on n'y peut rien. Bon, ça m'a coûté environ 17 millions cette affaire. Moi? T'es sûr? Seulement 17 millions? Ben oui, on peut dire que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Nom de Dieu! Je me suis donc fait duper! Mais non, qu'est-ce que tu racontes? T'as juste été au mauvais endroit, au mauvais moment, je crois. Ouais, comme d'habitude, tu veux dire. Vraiment, toi, tu as toujours la chance de tomber sur les bonnes occasions. Reste à croire que les dieux m'en veulent. Personne t'en veut, mon frère. Dieu. Et tu as investi combien déjà? Pas grande chose, j'imagine. Moi, j'ai dû dépenser plus de 25 millions pour cette affaire. Quoi? Ça t'a coûté aussi cher? Ouais, mon cher. Je t'assure. Que des escrocs, ces gars. Trêve de bavardage. Dis-moi, c'est quoi ton programme ce soir? Là, je passe chercher mon fils chez ma soeur et ensuite je rentre chez moi. Pourquoi? J'ai voulu qu'on fasse un petit tour en boîte. Ça t'est dit? C'est pas une mauvaise idée, hein. Ok, cool. Pas ce soir. D'accord. Je suis Jacob Miami. Très jeune, j'ai eu la chance d'avoir un bon travail. Et aujourd'hui, je vis aisément sans rien envier à personne. J'ai perdu ma femme et ma fille dans un crash d'avion pendant qu'elle revenait de vacances des États-Unis. Il ne me reste plus que mon petit Samuel, que j'aime plus que tout, et pour qui je suis prêt à décrocher même la lune. Ça va. C'est juste qu'il me faut prendre des congés à présent. J'espère que tu penses à ce que je t'ai dit, Jacob. Fais le moins pour le petit. Marie, tu ne vas pas recommencer avec ça. Mais... Papa, je suis prêt. Et Boudom, c'est moi que tu fuis. Ou bien t'es-tu juste pressé de rentrer chez toi? Ok, on rentre. Mais pourquoi tu t'es changé? J'avais un peu froid dans la voiture. Je veux ta glace. Ma glace. Viti Malé. Mais pourquoi tu veux ma glace? J'aime pas trop la mienne. D'accord. Allez, tiens. Je passe la mienne. Voilà. C'est bon. Papa, fais ta gueule, je vais te faire une petite surprise. Mmh. Petit coquin. D'accord. C'est bon? Non, t'es méchant! Non! Je t'ai aussi! Thank you.
C'était comment chez Tante Marie? C'était bien. Ok. Les inséparables. Oh, Philippe! Ouah, mon pote! Ça fait longtemps, dis donc. Fiston. Allez, assieds-toi. Tu en as mis du temps, là. Ouah, mon cher. Tu sais, toi-même, avec tous ces embouteillages, c'est pas évident d'être à l'heure, hein? Alors, fiston, ça va? Mm-hmm. Ok, maintenant, on fait quoi? Oh, t'inquiète, t'inquiète! Je sais! Depuis le lycée. Il est un peu dingue des fois, mais je pense que c'est justement pour ça que je l'aime bien. Hosanna, gloire à Jésus. À ta mort.
Attends, les enfants, j'ai une question à vous poser. Celui ou celle qui trouve la réponse juste a un Nouveau Testament et un biscuit. Que signifie donc Moïse? Moïse signifie fils de Pharaon. Moïse signifie dans l'eau. Oui, toi, Sarah. Moïse signifie tirer des eaux. Bravo! Très bien, on applaudit pour elle. Je prends ton Nouveau Testament et ton biscuit. Question suivante. Le Seigneur Jésus avait combien de disciples? Jésus est vivant, il est vivant, il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Regarde aujourd'hui ce que le monde te donne, mais laisse-moi te dire toutes les solutions que le monde te propose. N'importe quoi. Décidément, les temples ne suffisent plus à ces gens-là. Il leur faut les carrefours et les trottoirs. C'est la vérité. Jésus-Christ est la solution pour l'humanité. Jésus est la solution pour toi et ta famille. Le Maine a beaucoup évolué. Et je suis au regret de vous annoncer que vous n'êtes plus à mes yeux de progrès. Ok, qu'elle entre. Tu vas, Samuel? Tu es quand même têtu, toi. Si ça ne t'intéresse pas, toi, fais-le au moins pour ton fils. Quel genre de personne es-tu? Marie, laisse tomber, ça ne fait pas partie de mes projets. Prendre une nouvelle femme ne fait pas partie de tes projets. Non. Jacob, tu es difficile, petit frère. C'est pour ton bien que j'en parle tout le temps. Ta maison est pratiquement vide et ça ne te dit rien. C'est pas que ça ne me dise rien, Marie. Mais je ne suis pas encore prêt pour ça. La perte de ma femme et de ma fille m'a beaucoup affecté. Je veux retrouver mes repères avant de... Ok! Fais comme tu le sens, cher ami. Mais une chose, j'assure que j'ai pris tout le temps de te prévenir. Mais...
Monsieur Honoré vous attend. Ok, faites-le entrer. Comment vous allez, monsieur Honoré? Ça ne va pas, patron. Je suis venu vous voir pour t'expliquer plein de problèmes. J'ai de sérieux problèmes. Quel est le problème? Le problème, c'est que je n'arrive plus à payer ma maison. Ma femme, ma deuxième femme est tombée enceinte. Et la troisième veut a mis mes affaires dehors. Monsieur Miami, je suis là ce matin pour vous rencontrer, vous expliquer mon problème. J'ai un projet et je voudrais investir dans les VIA. Et c'est quelque chose de vraiment costaud, une activité qui va créer de la richesse. Donc, Monsieur Miami, ma petite fille que vous voyez a été excellente à l'école, elle a eu une bourse. Secondo, je suis venu vous voir parce que... Là, pour voir si cette affaire vous intéresse, évidemment, si vous voudrez bien m'accompagner sur ce projet. Vraiment, j'ai besoin d'argent. Papa, mon père, j'ai besoin d'un commerce. Ça va commencer à arrêter parce que je n'avais pas d'argent. Vraiment, nous passons par ci, par là, des entreprises pour déposer nos dossiers. On a fait notre travail, on a fait les stages, mais vraiment, on ne trouve pas de travail. Comme bon, vous dites, tout du quartier. Quelqu'un qui sait donner de sa personne. J'ai beaucoup d'atouts personnels. Viens, on va ce matin, on va dans quel but vous pouvez me prêter. Je suis tombé et je n'ai plus rien. Là, je viens vous solliciter avec votre relation, si vous pouvez. Je suis prêt à tout. C'est quoi, Sarah? C'est la parole de Dieu. Quoi? La parole de Dieu? Sarah, Samuel, allez à table. Merci, Seigneur Jésus, pour ce plat que tu m'as donné. Amen. Ben non, Sarah, ce plat, c'est Yasmine qui te l'a donné. Bon appétit. Mais qu'est-ce qu'elle a à t'emmerder comme ça, Marie? Je ne sais même pas, Philippe. Et elle ne me lâche pas avec ça. Elle te prend pour un gamin ou quoi? Décidément, il y en a qui ne changeront jamais leur façon de s'asseoir. Parce que celle-là, même au lycée, elle n'arrêtait pas de nous faire la morale. Et elle vieillit avec. Je t'assure. Elle est venue jusqu'à mon bureau, rien que pour me parler de ça. Attends, tu me racontes quoi là? Comme si je ne savais pas ce qui était bon pour moi ou pour Samuel. Mais qu'elle t'en trouve une alors. Je pense que ça fera l'affaire. Et en passant, qu'elle m'en trouve une également parce que avec ses rondeurs là, Dior, j'avoue que j'ai du mal à faire un choix. Je m'essaie au fur et à mesure. Oh, vraiment. Là, il commence à se faire tard. Je vais chercher à rentrer. D'accord, d'accord. Moi, je vais faire un tour chez ma mère. Ok, tu lui diras bien une chose, ma part. Ok, ok. Rimka, ça va? Ok. Bon, là, je viens de...
Nous nous apprêtons à rentrer. Comment ça fait tard? Ouais, c'est vrai. Mais t'inquiète, je vous dépose. Ah, ok, c'est gentil. Dis, on a une retraite spirituelle à l'église le 15 de ce mois. Et je veux que tu viennes y participer. Je sais que tu as beaucoup chargé, mais fais un effort, ça va te faire du bien, je t'assure. Le 15 du mois, je serai super occupé. Et en plus, tu sais, petite sœur, vos histoires d'église, de prière, des dieux, de Jésus, je ne sais quoi encore, c'est pas vraiment mon truc. Désolé de te dire ça, mais je vous trouve vraiment ridicule dans vos églises à crier, à parler à quelqu'un que vous ne voyez même pas. Jésus t'aime, Jacob. Ok, j'ai compris. Quand j'aurai la confirmation qu'il est réel, je verrai ce que je pourrais faire pour lui. Heureusement, ça risque pas d'arriver. Je prie qu'il se révèle un jour à toi. Oh, ça suffit avec tes rêveries, ok? On y va, je vous raccompagne. Sarah? Ok, champion, là, il se fait tard et c'est l'heure de dormir. Papa, regarde, c'est Sarah qui me l'a donné. Je savais. Ok, maintenant, on va dodo. D'accord, papa. Ouais. C'est qui le plus fort? C'est moi le plus fort. C'est qui le bonhomme à son papa? C'est moi. C'est qui le champion? C'est moi. Ok, voilà. Bonne nuit, mon champion. Ça ne lui suffit plus d'inculquer des bêtises à sa fille. C'est Samuel, sa nouvelle cible. Rebecca. N'importe quoi. Pauvre petite Sarah. Merci papa Jésus parce que tu m'as gardé aujourd'hui. Tu as gardé mes parents, tu as gardé Samuel et son papa et Yasmine aussi. Tu as gardé tante Marie. Merci papa Jésus parce que tu es le plus gentil des papas. Garde-moi cette nuit, garde-nous tous les jours. Merci papa Jésus, amen. À demain, papa Jésus. Ok, maintenant, direction chez Toto. Oh, vraiment! Voilà! Merci bien. Vive encore. Le 15 du mois prochain, à Sini. Santé Diba? Si, c'est une bonne idée. Je pense qu'on peut caler un budget de 3 millions et c'est bon. 3 millions? Ouais. Moi, je joue plutôt pour 3 millions 5, hein. Ouais, pas de soucis. Je t'appelle demain du bureau et on programme tout ça. Ok, y a pas de problème. Donc, j'attends ton coup de fil. Ok? D'accord. Dis, tu vois la construction de l'autre côté? Samedi, j'aurais bien voulu faire une construction de l'autre côté. Et allô?
Fais-moi la passe, fais-moi la passe, à moi, à moi. Fais-moi la passe, fais-moi la passe, fais-moi la passe, fais-moi la passe. Monsieur, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. D'accord. Je pense qu'avec toute l'expérience que vous avez, on pourra trouver quelque chose pour vous dans cette entreprise. Merci, monsieur. Et donc, excusez-moi. Allô? Quoi? Comment ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur. Que s'est-il passé? Je suis désolé, monsieur. Il jouait dehors avec ses amis et... Monsieur Miami, suivez-moi. Nous lui avons administré un sédatif qui a calmé les douleurs. Il se repose à présent. Mais monsieur Miami, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais... Annoncer quoi, docteur? Qu'est-ce qu'il a, mon petit? Ce n'est pas grave, j'espère. Si, très grave. J'en suis même arrivé à la conclusion que vous avez eu, contrairement à d'autres familles, la chance de voir votre fils grandir jusqu'à 6 ans. C'est même un miracle. L'accident qu'il vient d'avoir nous a permis de découvrir un mal qui traîne depuis la naissance, je crois. Et vu la sévérité du mal, votre fils devrait être mort depuis l'âge de 10 ans au moins. Monsieur Miami, votre fils est atteint d'une tumeur au cerveau. Il n'a plus qu'un mois à vivre. Plus qu'un mois à vivre. Un mois à vivre. Un mois à vivre. Il n'a plus qu'un mois à vivre. Thank you.
Ça va, bonhomme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai appelé des amis en Europe, aux États-Unis pour y envoyer Samuel et... Nous devons le garder ici par mesure de prudence. De peur de précipiter ce que vous savez. Ce mal est incurable. En effet, c'est ce qu'ils m'ont tous répondu. Restaurant, on a dit. Pour la retraite spirituelle du 15, j'aimerais qu'on amène Sarah chez ma mère, vu qu'il n'y aura personne à la maison. Qu'est-ce que tu en dis? Mais pour faire plutôt qu'on la dépose chez mon frère Jacob. Là-bas, moi, là, son cousin Samuel avec qui elle peut jouer. Tu as raison. C'est qui le plus fort? C'est moi. Je t'aime, Samuel. Yasmine! Reste avec nous, je vais.
tu n'as pas dit qu'on ne te parle pas une fois. Je t'ai dit plusieurs fois de chercher à te remarier. Et toi, fais le sourd. Ton seul enfant, maintenant, ça va aussi comme sa mère et sa soeur. Je ne sais pas pourquoi tu es têtu comme ça. Comment tu vas faire maintenant? Tu aurais dû te remarier, faire ta vie et avoir plusieurs enfants. C'est justement ça le problème. Je ne peux plus faire d'enfants. Jacob, tu ne devais pas me cacher ce genre de trucs. Maman, avant de mourir, m'a dit de m'occuper de vous. C'est tout toi, Jacob. Je suis désolé. Tu ne devais pas me cacher ces choses. Désolé. Et c'est devenu maintenant la mère de la famille. C'est pas grave. Je connais Féticha qui peut nous arranger ça. Samuel ne peut pas mourir. Est-ce que tu as assez d'argent sur toi? Non, pas assez. Mais je peux pas se faire un retrait. Va aller voir les Féticha. Ça va vous coûter 400 000, 5 francs. Vous lui en ferez boire un peu et vous verrez le résultat. Ok, allez en paix. Le petit est guéri. En fait, est-ce que tu as informé Rebecca? Je ne l'ai pas vue. Quoi, cette folle-là? Si je l'appelle, ça me dit qu'elle veut prier pour Samuel. Tu as raison, mon cher. Calmez-vous, madame. On a toujours le bip. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, monsieur Miami. La maladie de votre fils progresse plus vite que je ne le pensais. Il est tellement affaibli
qui ne peut même plus s'asseoir, sauf par miracle. Et je crains que la durée de vie déjà prononcée de votre fils ne se soit raccourcie. Bien-aimé, bonjour. Ce matin, je veux te parler de Jésus. Ce matin, je vais vous parler de celui-là qui sauve. Oui, bien-aimé, je veux te parler de celui-là qui, par sa maître sûr, nous a donné la vie. Bien-aimé, je veux te parler de celui qui, par sa mort, nous a donné la vie. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu déclare en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Oui, bien-aimé, je veux te parler de Jésus-là qui sauve, qui ne veut pas que tu périsses, mais qui veut te guérir. Bien-aimé, il dit encore en Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te ferai voir de grandes choses, des choses Jésus, qui sont cachées. » Oui, bien-aimé, es-tu vraiment ce que l'on dit de toi? Allô, Marie. Mais j'ai fait le diagnostic en 10 mg en IVD. La fréquence cardiaque à combien là-bas? Confirme, monsieur. Que se passe-t-il? On ne peut plus rien faire d'autre. Ce n'est qu'une question d'heure, monsieur Mariam. Je suis vraiment peiné. Qu'est-ce qui se passe? Pas personne ne m'a rien dit. Là, quoi, ça vient, et quand nous sommes arrivés, le gardien m'a tout expliqué. Hey, Seigneur! Je
Surtout que ne pas qu'on réveille l'enfant. Monsieur Marc, ici. Je vous ai appelé pour vous parler de quelque chose. Peut-être difficile, certes, mais je vais vous en faire part. Il y a un enfant qu'on peut sauver, mais qui a besoin d'un cœur et d'un rein. Et comme votre petit peut à n'importe quel moment rendre l'âme, je vous propose de faire ce que vous aurez voulu qu'on fasse pour vous. Si vous voulez, il y a un formulaire qu'il faut renseigner. Préparez le bloc opératoire. Il a accepté. C'est quoi tous ces appareils? Elle est trop grande cette chaise, mes pieds ne touchent même pas le sol. Il y a beaucoup de bruit de machine ici. Ma maman dit qu'on sera dans la même école l'année prochaine et on se verra tous les jours. L'année prochaine? Mais moi je vais mourir. Tu vas mourir? Qui t'a dit ça? On ne dit pas ça. C'est mon papa et tante Marie qui l'ont dit. Je faisais semblant de dormir et j'ai entendu. Mais si tu vas mourir, c'est que moi je vais être seule à l'école. Donc c'est parce que tu es malade qu'on a mis tout ça sur toi? Oui. Mais pourquoi tu n'as pas appelé le Seigneur Jésus? Il peut te guérir. C'est qui, le Seigneur Jésus? C'est un docteur? Non, mais il guérit les gens. Mais est-ce qu'il me connaît? Il ne va pas accepter de me guérir. Si, il guérit tout le monde. Il est gentil et il aime les enfants. Et il est où? Ma monitrice dit qu'il est partout et il peut entrer dans ton cœur si tu l'appelles. Quoi? Dans le cœur? Il est petit? Non, mais il peut entrer dans ton cœur. Donne-moi ta main, on va l'appeler, tu vas voir. Ferme tes yeux, on va lui parler. Non, je veux le voir quand il va venir. On ne peut pas le voir comme ça. Et c'est la monitrice qui attrape nos mains quand elle veut parler à Jésus. Seigneur Jésus, je veux que tu guéris Samuel. Il dit qu'il va mourir même. Moi, je ne veux pas. Guéris-le parce que tu aimes les petits enfants. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as guéri Samuel. Papa Jésus, guéris aussi tous les malades qui sont dans l'hôpital aujourd'hui. Amen. Dis Amen. Amen. C'est fini? Oui, c'est fini. Papa Jésus t'a guéri. Merci, Papa Jésus. D'accord. Donc l'année prochaine,
on va jouer ensemble avec tous nos amis. Et on ira voir ma maîtresse aussi. Tu vas la connaître, elle est gentille. Et puis, aussi, les matins. Samuel, tu dors? Papa. Papa, Jésus est venu dans ma chambre et m'a demandé de descendre du lit parce qu'il m'a guéri. Mais on l'a déjà anesthésié. Il bouge. Il se réveille. Mais c'est incroyable. Comment est-ce possible? Thank you.
t'a dit qu'il est le commencement et la fin. N'oublie jamais qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pour ma part, je chanterai son nom tant que j'existerai. Ton meilleur péché. C'est Jésus, ton meilleur c'est Jésus.